C'est toujours très très délicat de donner des conseils à des doctorants sans connaître dans le détail leur travail. Donc peut-être le conseil le plus prudent que je pourrais leur donner, c'est de suivre leur intuition. Dans une recherche, on ne fait jamais de la recherche par hasard. Il y a toujours quelque chose de nous en tant que sujet, avec des valeurs, des passions, un engagement qui soutient cette recherche et qui détermine des intuitions qui doivent être mises bien sûr à la question au travers de la recherche, mais ne pas renoncer à ces intuitions et à les mettre au travail scientifiquement est sans doute le meilleur conseil, ou en tout cas le conseil le plus prudent que je puisse donner à des doctorants qui s'intéressent à ces questions-là. Et puis ne pas se laisser happer peut-être par les sirènes de cette rationalité instrumentale qui tend à balayer justement toutes ces dimensions de la subjectivité qui est à l'œuvre justement dans les questions que ces deux doctorantes se posent, il me semble.